bruit. Alors, Sam Gauthen, elle a acheté une tablette votive. Je crois que c'était quoi? Enmusubi, ça s'appelle en japonais. Parce qu'on se trouve au temple Mankiniko, le Imado Jinja. On a un petit peu galéré à trouver, mais finalement on est devant. Donc c'est un temple consacré au Mankiniko, qui est un chat japonais. Et en fonction de la patte qu'il lève, il apporte soit l'argent, soit la bonne fortune. Alors je ne me risquerai pas à vous dire quelle patte fait quoi, parce que malheureusement je ne me rappelle plus. Il me semble que la gauche c'est l'argent et la droite la bonne fortune. Mais voilà, j'ai mis une réserve, je voudrais éviter de vous dire des conneries. Et du coup, Héloïse, comme elle adore les chats, elle a acheté une petite tablette et elle est en train d'écrire son petit vœu. Et après, elle ira l'accrocher avec tous les autres là-bas. Mais elle n'a pas voulu, sonner la cloche. Non, parce que j'ai peur d'être ridicule. Oh, moi, je l'ai fait par contre. Moi, j'ai sonné la cloche et je me suis inclinée et tout. J'ai fait tout comme il faut. Wata ? Oui. Misete ? Je me mets devant. Oui. Et voilà la petite tablette, regardez comme c'est beau, regardez, M. Subi, j'ai bien retenu. Et donc il y a marqué Imado Jinja. Et que c'est les Manikiniko qui tendent la patte droite, du coup je pense que c'est la bonne fortune. Non. Voilà, exactement. Voilà. Un petit pas pour l'homme. Un grand pas pour le chat. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça, un petit pas pour l'homme. Oh là là. Serre-le bien hein, au cas où ça, ça se casse la gueule. Fais un double nœud, ouais. Je vais le reprendre en photo parce que voilà. Et voilà, elle a accroché sa petite tablette qui est ici. Et vous voyez, il y en a une autre ici avec ce motif-là. Mais personnellement, je préfère celui qu'Héloïse a choisi. Hi, hi, Minasan, c'est Japan Zelda. Arrête de te moquer de moi. Mais j'ai rien dit. Oh là là, susceptible cette fille. Hein. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes à Ginza. Il commence un petit peu à faire nuit, donc les bâtiments commencent à s'illuminer. C'est vraiment très, 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 très beau. Oh il est. C'est mon ami ici. Ton mon ami d'ailleurs. Hi. On vient de sortir de ce bâtiment là. Et on est allé manger dans un café qui avait pour thème le monde d'Alice, Alice au pays des merveilles. C'était impressionnant. Quand on rentrait, il y avait plein de comment on appelle ça, de les murs avec des écritures sur Alice, tout ça. Et il y a un gars tout gentil qui nous a accueillis. Il avait des oreilles de lapin sur la tête avec un chapeau et des petites cartes. Et il nous en a donné quand on s'est assis pour les mettre sur la tête. C'était vraiment trop rigolo. Et du coup, on a pris un petit dessert et un petit truc à boire. Et les desserts, c'était bien sûr sur le thème d'Alice. Donc c'était vraiment super bien fait. J'avais une espèce de tarte aux pommes avec une rose dessus et la figure d'Alice sur le côté. Sam Gauthen, elle avait un cœur en chocolat avec Alice en gâteau dessus. D'ailleurs, elle lui a coupé la tête, hein, parce qu'elle tranche la tête, hein, n'est-ce pas? Bah, bien sûr. Voilà. Et Chi, elle avait qu'est-ce qu'elle avait? Je sais plus. Une crème brûlée avec un petit macaron. Voilà. Et c'était trop mignon. C'était un peu cher, mais je pense que ça vaut quand même le détour une fois de faire ça. C'est vraiment sympa. Et il y a plein de petits bars comme ça sur le thème d'Alice, un petit peu de partout dans Tokyo et même à Osaka apparemment. Donc je vous conseille vivement d'y aller. Franchement, celui de Ginza est bien. Hein, j'avais vu ça sur internet et ça avait l'air sympa, donc on est venu et j'en suis satisfaite, franchement. Les serveuses étaient habillées en Alice, c'était vraiment trop trop mignon quoi. Donc voilà, je suis bien contente qu'on soit venu. Et puis là, on va se diriger vers le karaoké. Donc on se retrouve tout à l'heure pour quelques chansons pour vous casser les oreilles. Tchané ! Tina.